Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un oracle. Il s'agit de l'oracle L'Âme au creux du cœur. 66 cartes oracle et le livre d'accompagnement pour accéder aux plus belles vibrations de votre âme. Euh, donc, c'est de Laetitia Lescher. Lescheur, j'espère que je le dis bien. Et je l'ai reçu des éditions Erol pour pouvoir le partager avec vous. Et ici, on a une petite... Euh, allez, la vie de Daisy et Julie Baudin qui dit un chef-d'œuvre qui en appelle à la fois... Aux sagesses anciennes et à l'histoire de notre monde, de notre âme. Voilà. Mais déjà, rien que la boîte, l'illustration est magnifique. Hein. Avec ce loup et ici, on dirait une aurore boréale. Elle est très, très, très jolie. Voilà. Donc, on va lire ensemble ce qui est écrit au Accédez aux plus belles vibrations de votre âme. Cet oracle vous invite à vous connecter à votre cœur. Combinant photographie et images somptueuses, chaque carte est à la fois poétique, précieuse et puissante. Vibration de l'âme, vibration de l'esprit et vibration du corps. Tirez chaque jour trois cartes et placez-les côte à côte pour en dévoiler le message du jour. Grâce aux 66 cartes accompagnées de leur livre d'interprétation, vous recevez ce que vos battements du cœur vous impulsent, votre vérité profonde de l'instant. Plongez dans les profondeurs de votre cœur afin d'accéder au message de votre âme. Donc Laetitia Lescher est inspiratrice de changement. Artisane d'art, entrepreneuse, conférencière, enseignante en self-clairvoyance, Laetitia fait appel à toutes les facettes de sa personnalité et de son art pour faire émerger les trésors de notre âme enfouis en chacun de nous. Donc la préface est de Daisy et Julie Baudin, qui, qui sont auteurs de l'oracle à succès Féminité sacrée que je vous ai déjà présenté. Donc on a 66 cartes et le livre qui va avec et il est au prix de 24,90 euros. Donc on va l'ouvrir ensemble. Je vous avoue, ah, il est un peu difficile. Ah, ça y est, à ouvrir. Comme euh, euh, bon, au fil des usages, il deviendra de plus en plus facile à ouvrir, mais là, il est un peu difficile. L'intérieur est comme ceci. Bon, forcément, moi j'adore la couleur du fond de boîte. On a le livret ici. Les cartes sont dans un, un encart en carton dans le même ton que la boîte. L'intérieur de la boîte est comme ça. On retrouve bah, le petit mot hein, si vous avez un problème. Les tranches sont magnifiques. Franchement, Rose, j'adore. Vraiment, elles sont trop belles. Le dos est comme ceci simple, mais très joli. Voilà, donc on a un gros paquet, hein, vu qu'il y a 66 cartes. On va commencer du coup par regarder bah, le beau guidebook. Le guidebook, lui, il est en noir et blanc. Voilà. En couleur, ça aurait été encore plus chouette, mais bon, voilà. Il est en noir et blanc. Alors, on a le sommaire avec une préface, hein, quelques mots sur la, la créatrice. Puis, on a ces moelles, le cœur et la porte de l'âme. Puis, on a les cartes et leurs messages. Donc, on, en a, on a trois catégories. Les cartes de 1 à 22, ce sont les cœurs de l'âme. De 23 à 44, ce sera le cœur de l'esprit. Et de 45 à 66, le cœur de la matière. Voilà. Donc, on a la préface de Daisy et Julie Baudin quelques mots sur la créatrice qui est ici. Voilà. Les mots de la créatrice, donc ça c'est un petit mot elle. Hein. On a d'abord sa présentation et puis voilà. Et puis le cœur est la porte de l'âme. Voilà. Donc ça nous dit que cet oracle nous connecte à notre cœur, cette vérité intérieure qui vibre en nous pour devenir à notre essence, à nos essentiels et à la cause de toutes choses, pour revenir à notre essence. Chaque pulsation, chaque battement de cœur nous propose de recevoir les enseignements de la vie pour nous d'abord, puis pour les partager au monde. Vous retrouverez dans ce coffret 66 cartes. Elle a choisi un maître nombre pour le teinter d'harmonie supérieure, de grâce et d'ouverture du cœur. Il constitue ainsi un pont vers notre unité personnelle car il est porteur de la vibration de la Trinité. 6 plus 6, ça fait 12 et ça fait égal à 3. Et la réconciliation de nos trois royaumes, corps, esprit, âme, du cycle de la vie, la naissance, la vie, la mort, de notre processus de création, la pensée, la parole et l'action, et de nos trois dimensions, le matériel, le volontaire et le spirituel. Trois vibrations que j'ai nommées cœur, cœur comme ça. Donc chaque cœur représente un de nos royaumes. On a le cœur de la vibration de l'âme est un lien avec notre soi pour ouvrir la porte vers un ailleurs. Le cœur de l'esprit est un lien avec notre connexion au monde pour nous permettre pour nous mettre en mouvement, pardon. Voilà, désolé, on était interrompu par le facteur. Donc on était au cœur de la matière qui est en lien avec notre densité pour ancrer dans la matière notre nouvelle réalité. Alors, en 1, on a le mode de tirage unique, le, le cadavre exquis qui fera appel aux trois dimensions de votre être, votre âme, esprit et matière. Tirez une carte de chaque cœur et vous découvrirez chaque jour le message. Ah oui, une carte dans chaque catégorie en fait. Euh, vous découvrirez chaque jour le message, le mantra qui vous est destiné. Unique, il vous relie à l'ici et maintenant et en rabattant les cartes, un nouveau message apparaîtra. Imaginons, ah oui ici elle donne un petit exemple du coup avec trois cartes. Puis on a les cartes et leurs messages, voilà. Alors en complétant, en complément, il y a 22 méditations qui sont disponibles pour accompagner chaque carte au cœur de l'âme, donc une des catégories en bah, scannant le QR code, donc la première famille de cartes, et on a bah, du coup de 1 à 22 cœurs de l'âme et on a le numéro. Le nom de la carte, et alors on a euh, un petit, euh, petit texte, et ici on a une, la petite guidance. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose euh, en texte pour chaque carte. Il hein. y a ici un genre de petit poème. C'est même pas un poème, c'est. Oui, un petit texte, et alors on a. Ça, c'est vraiment. Euh... Par exemple, ici, je me fie au pouvoir de l'intention. J'écoute les signes qui reviennent à moi. Je parle de ma vérité. Voilà. Et on a ça, du coup, euh... ben, pour toutes les cartes. À part que. Non, peut-être même pas, parce que pour la deuxième catégorie, ici, on a aussi un petit texte, et une, une petite citation de quelqu'un de connu. Hein. Par exemple, ici, Nelson Mandela. Et pour la troisième, on a euh, un rituel apparemment en plus pour chaque carte. Ça, c'est chouette aussi du coup. Rituel de l'hôtel, etc. Voilà. C'est chouette aussi ça. Du coup, si vous en tirez trois comme c'est conseillé, ben vous avez un message, vous avez un petit texte encore avec une citation en plus, et vous avez à chaque fois un rituel. Voilà. Donc, du même auteur, hein, là, ma fleur de peau, je vous l'ai déjà présenté aussi, celui-là. Je n'avais pas tilté que c'était euh, déjà euh, un oracle de... qu'elle avait fait. Voilà. Accédez aux plus belles vibrations de votre âme et laissez-vous guider par votre cœur. Voilà, voilà. Donc, maintenant, on va regarder les cartes. Il me semble qu'elles ont... Ouais, elles ont une bordure différente en fonction des, euh, des familles pour les reconnaître. En fait, c'est les lignes qui changent. Je vais vous montrer par rapport à une carte de tarot. Voilà, donc ce sont de grandes cartes, hein. beaucoup plus larges, beaucoup plus hautes. J'aime beaucoup les, les bordures. Donc, bah, je vais peut-être prendre juste le récapitulatif pour vous dire de quelle famille il s'agit. Voilà. Donc, hop, je vais mettre ça pas loin par là. Oh, voilà. Donc de 1 à 22, on va prendre la première. Donc là, on a une simple ligne. Et là, on est dans le cœur de l'âme. Bon, la première est déjà très jolie. Hein. Dans la sagesse ancestrale. J'aime bien la couleur. À travers les tunnels du temps. Face à mes intentions. Dans le clair-obscur dans le secret des savoirs oubliés. Au cœur du chaos. Bon, moi, j'avoue que ce n'est pas trop le style d'illustration que j'aime trop. Euh, les photomontages, j'aime pas trop, mais bon, je sais qu'il y en a à qui ça va plaire. Au-delà de mes sens, dans ma peau d'ego, de l'armure à la parure. C'est joliment dit ça. En quête de ma vérité, dans la paix du cœur, en tête à tête avec mon âme, au cœur de mes profondeurs. Ah et le symbole aussi change ici en dessous, vous voyez, pour savoir dans quelle famille on se trouve. À la lueur de la fausse lumière. pieds nus sur la, la passerelle de mes désirs, dans la grâce du mouvement de vie, et les cartes sont de très bonne qualité, hein, dans ma bienveillante solitude, face à mon adversaire, à l'aube de ma propre révélation, dans le feu de l'initiation. sereine dans le processus. Juste ici et maintenant. Celle-ci aussi est très jolie. Alors, on va passer à la catégorie les cœurs de l'esprit de 23 à 44. Voilà. Et là, on a en fait deux lignes. Ici, vous voyez. Et dans, pour la troisième catégorie, ben, on a trois lignes. Voilà. Et le symbole est comme ceci, avec une petite feuille. Donc, on a, je fais le premier pas. Elle est jolie, celle-là. J'aime bien les couleurs. J'ondule dans l'univers. Je me mets en chemin. J'emprunte d'autres voies. Celle-ci est très belle aussi. J'œuvre et je m'émerveille. Je suis mes choix. Je les suis du coup. J'embrasse mon risque. J'attise la force du cœur. Un hein, des ailes de libellule. Je me dénude. Je m'abandonne à la fleur de vie. Je reçois en conscience. Je souris à mon cœur brisé. Je, donne, je me donne la vie, pardon j'enfile ma peau de lumière, j'ose me laisser aimer, je sors de la torpeur, je manifeste la juste parole, je remercie et salue mon passé, Je promets de m'aimer. Elle est belle aussi, celle-ci. Je respire le moment qui passe. Je rayonne de l'harmonie. Je rayonne l'harmonie plutôt. Et j'épouse ma révolution. C'est marrant, c'est une danseuse ici, on dirait un cheval en même temps. C'est un effet d'optique très bien fait. Voilà, et on va passer à la troisième et dernière. Famille, le cœur de la matière. Donc on a telle la conteuse de songes. Donc là, on a ce symbole-ci. Et vous voyez, on a trois lignes. Telle la scribe des lois naturelles. Telle la merveilleuse. Telle la gardienne du seuil. Telle la sorcière originelle telle l'humaine que je suis, telle la petite larme de l'âme, telle l'alchimiste des éléments, telle la mélodie du cœur, telle l'artisane de lumière, telle la semeuse de joie telle la souveraine de mon royaume, et c'est sur celle-ci qu'on a à chaque fois un petit rituel, telle l'apprenti sage, telle l'enfant de Gaïa, ah c'est celle-ci de la boîte, telle l'étoile qui vit en moi, telle l'inspiratrice de changement, telle la légèreté d'une fleur des champs telle la jardinière céleste, telle la messagère de l'arc-en-ciel, telle l'agitatrice de vie en moi, telle l'aventurière de vie incarnée, et telle la protectrice de la mémoire. Voilà. Bon, ben, je propose qu'on tire une, cha une, une chaque une carte dans chaque famille. Comme ça, je vous lirai bah, les trois parce que vu qu'ils ont tous des, bah, des messages et des choses différentes dans le livre, euh, si je vous lis qu'une, bah, vous ne euh, verrez pas ce, qui, ce que le livre propose pour les deux autres. Voilà. Donc je mélange le premier. Elle, elle glisse très bien. Elle s'envole même. Voilà, je vous montre. Ah, ouais, ça s'étale super bien. Mais je vais les tenir. Voilà. Ça, c'est la première famille du coup. choup la deuxième. Je vais faire comme ça. Voilà. Hop. Et la troisième. Voilà, on va prendre celle-ci. Le coucou nous accompagne pendant qu'on mélange. Voilà, donc on a la première. Avec Au-delà de mes sens. La deuxième, j'emprunte d'autres voix. J'aime bien celle-là, je l'ai dit en plus. Et la troisième, telle la conteuse de songes. Ouais. Alors, oui, elles sont numérotées, donc ça, c'est très bien. Donc la première, Au-delà de mes sens. Au-delà de mes sens, j'entrevois mon essence. Je laisse mon esprit vagabonder vers une autre réalité. D'évidence en évidence, face à un champ d'opportunités immense, je libère mon corps de tout ce qui est rance et je prends ma joyeuse errance. Dans le vortex de vie qui m'unit au ciel, je reviens à mes essentiels. Oui, donc c'est vraiment un petit poème en fait. Hein. Alors, tout est sensation, je suis essence, je reviens à ce qui est essentiel. Donc, cette carte-ci, vous, bah, vous conseillerez bah, de, de revenir euh, aux bases, à ce qui est essentiel. Voilà. La deuxième. Ici. J'emprunte d'autres voies. L'heure d'accueillir une nouvelle version de mon être frappe à la porte de ma conscience. Elle se fraye un chemin par des voies jusqu'alors inconnues ou non reconnues. Que ce soit par les songes, les trans ou le rêve éveillé, une porte en nous s'ouvre. Pour ce changement qui nous attend, il est essentiel de lâcher d'anciens bagages, de renoncer à quelque chose qui ne pourra plus exister dans cette nouvelle version de moi qui m'ouvre les bras. Se pose alors la question essentielle à laquelle seuls les vécus ont une réponse suis-je prêt à renoncer à mon ancien moi dès maintenant Alors, la petite citation Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Et c'est de Marcel Proust. Et la dernière, du coup la 45. Voilà. Ici, la, telle la conteuse de songe. Donc lors de notre sommeil, notre corps se repose et se met en veille. Notre âme, elle prend la poudre d'escampette et s'envole vers d'autres dimensions, dans d'autres plans de conscience. C'est là sa manière de se reposer s'alimenter d'autres énergies subtiles, retourner à la source de lumière pure pour nous offrir le lendemain au lever d'une nouvelle énergie. Ne dit-on pas d'ailleurs que la nuit porte conseil. Le petit rituel de la poupée de Traca. C'est les petites poupées, je vous avais déjà présenté une vidéo au tout début de ma chaîne, des petites poupées euh, euh, qu'on met sous l'oreiller et qui sont censées absorber euh, ben, nos soucis. Voilà, quand on dort. D'ailleurs, j'en ai. Pour retrouver des nuits régénérantes, placez sous votre oreiller une poupée tracas. Qu'elle soit confectionnée par vous avec de la laine ou du tissu, ou que vous, voyez, vous la soyez offerte. Confiez-lui chaque soir, avant de dormir, vos angoisses et vos soucis pour une nuit de repos de l'âme. Voilà. C'est vrai que d'ailleurs, je, prépo... je vous avais fait la présentation du livre sur les poupées tracas qui expliquait comment les faire et je vous avais montré euh, no... ma réalisation que j'avais faite. Donc vous retrouvez cette vidéo dans la présentation des livres. Voilà. Voilà, voilà pour ce petit oracle. Euh, bah, du coup, il est très riche. Hein. C'est pour ça que la vidéo a duré plus longtemps, le temps que je vous explique tout ça. Vu que bah, j'ai tiré, euh, vu que c'est proposé une carte dans chaque famille, euh, sinon vous n'auriez pas eu un message complet. Euh, les illustrations, elles sont jolies. Moi, ce n'est pas trop ma tasse de thé les photos hein. Je vous l'ai dit, mais je sais qu'il y en a qui vont me dire qu'il est magnifique. Et heureusement, d'ailleurs, hein, euh, les goûts et les couleurs, ma foi, euh, c'est subjectif à tout le monde. Euh, et le livre est très chouette aussi, je trouve. Euh ah, parce qu'on a chaque fois un rituel, du coup une petite citation, hein, le, la petite guidance, le poème. Donc il est vraiment complet. Voilà. Donc je vais quand même vous remontrer le couvercle à l'endroit. Ce sera mieux de la boîte. L'âme au cœur du coeur, Au creux du cœur, pardon. Voilà. Euh, je vous mets dans la barre de description, comme d'habitude, le lien si vous voulez vous le procurer. Euh, et bien bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous aimez euh, les illustrations. Euh, si le message vous a parlé, si vous le trouvez chouette, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous